Pour qu'une droite D et un plan P soient orthogonaux, il faut vérifier deux conditions simultanément. Alors commençons par dessiner un plan P. On va dire que c'est le plan défini par les deux vecteurs UV, comme ceci par exemple. Et maintenant, une droite D. Et on va dire que la droite D a pour vecteur directeur W. Et on va dire maintenant que la droite D est orthogonale à P, si et seulement si les deux conditions suivantes sont réalisées simultanément, c'est-à-dire que l'on est U scalaire W égale 0, autrement dit U et W sont des vecteurs orthogonaux, et V scalaire W est égal à 0. Voilà. Pourquoi? Parce que si W est orthogonal à U et à V en même temps, eh bien à ce moment-là, W est orthogonal à tout vecteur du plan, puisque n'importe quel vecteur du plan s'écrit en fonction de U et de V. Donc à bien retenir que les deux conditions ici doivent être vérifiées simultanément pour que l'on ait bien D orthogonal à P.